Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. 100 d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Mais comme tous les matchs, hein, tous les matchs, il faut mettre ce qu'il faut dans notre jeu, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, pour gagner les duels, gagner le ballon, gagner la possession du ballon, et puis bien l'utiliser surtout après pour déséquilibrer l'adversaire. Voilà, on joue une équipe qui a fait une très très belle saison la saison dernière. Voilà, je connais bien l'entraîneur, il fait bien jouer ses équipes. Où il a coaché, il a toujours bien fait jouer ses équipes. Voilà, c'est un bon coach. Et voilà, il donne des bonnes directives à ses équipes. Voilà, ça va pas être un match facile pour nous, mais à nous de faire. C'était pas facile non plus à Lorient. Et on a fait un bon match pour pouvoir maîtriser le jeu, pour pouvoir maîtriser l'adversaire. Voilà. Et se créer des occasions pour marquer des buts. Voilà, il faut qu'on arrive à rééditer cette performance à domicile. Non, mais ils sont au courant, on leur balance des vidéos, ils ont des images dans la semaine, demain on fera un rappel aussi à la présentation. Oui, tous les matchs, on essaie de disséquer les points forts, les points faibles de l'adversaire. Alors, on donne tout est distribué aux joueurs. Mais après, il y a toujours un rapport de force, je le répète tout le temps, il y a toujours un rapport de force. Le match, quand il démarre, tu sais pas dans quel état d'esprit l'adversaire va démarrer le match, s'ils sont plus forts que toi physiquement, s'ils sont plus forts que toi techniquement. Il y a toujours un rapport de force. Il faut gagner ce rapport de force. Dans un premier temps, pour gagner les ballons, pour avoir la possession et pour bien déstabiliser une équipe en face de toi. C'est toujours pareil. Il faut chercher à être déjà meilleur que l'adversaire dans beaucoup de domaines et après d'être efficace. Après, c'est l'efficacité qui fait que tu gagnes un match. Des fois, tu es mauvais tout un match, ton gardien il te fait gagner des points. Et tu as une occasion et tu marques. Il y a des matchs où tu passes complètement à travers, il y a des matchs où tu surplombes ton adversaire. Tout est possible dans un match. Tant qu'on n'a pas joué, tout est possible. Mais bien sûr que c'est important. C'est important parce que ça peut nous permettre d'être dans les 10 premiers, même si on est déjà dans les 10 premiers. Mais c'est tellement serré quand on regarde les résultats. On est à 3 points de Lorient, qui est premier relais barragiste. Voilà, c'est barragiste. Voilà. Après, tout est serré. C'est serré devant nous. On est à 4 points du 3e. Et c'est très serré. Voilà. Il faut gagner les matchs. Il faut être en capacité d'enchaîner les victoires pour, comme je l'ai dit la semaine dernière, pour avancer plus vite. Et pour jouer libéré, il faut qu'on continue à faire ce qu'on a fait la semaine dernière. On est incapable de. On a joué libéré la semaine dernière à Lorient. Hein. On les a pressés haut d'entrée. On a récupéré beaucoup de ballons dans leur camp. On a bien tenu le ballon. Il faut qu'on soit en capacité de le faire à domicile aussi. Non, mais il rend toujours des copies très propres. Parce qu'il. Il a une bonne lecture du jeu défensive, il défend bien, très bien sur l'homme, il contrôle bien la profondeur, il est toujours souvent le premier sur le ballon, voilà, il gagne ses duels parce qu'il lit bien le jeu, parce qu'il est agressif, et puis après il a une capacité à bien sortir les ballons, à jouer juste, voilà, c'est ce qu'on demande à un bon défenseur. Ouais, parce que c'est un garçon qui est intelligent, il parle 5 langues, il, voilà, il a, il a,
il s'acclimate vite. Et il a un cerveau. Bah, on lui donne toujours les, on essaie de donner des bons conseils pour qu'il continue à rester dans ce qu'il fait de bien aujourd'hui. Voilà, qu'il garde les qualités qu'il met aujourd'hui. Il faut qu'il les répète tous les matchs. Bah, il fait des erreurs aussi dans le match. À tout le monde, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Mais c'est pour ça qu'on fait un sport collectif et il faut que les copains à côté ils rattrapent les petites erreurs aussi des fois. C'est le lot des sports collectifs, voilà, de s'entraider pour corriger les erreurs des copains. Bah, je pense qu'il a fait des bonnes séquences de matchs, il a fait des bons matchs aussi entiers. Après, je pense qu'il est en capacité de. Il a eu beaucoup de situations de but qu'il n'a pas concrétisées. Il faut qu'il arrive à être plus performant dans ce registre-là. Ouais. Il faut qu'il soit beaucoup plus tueur quand il est dans la boîte. Il a eu pas mal de situations qu'il n'a pas concrétisées. Ben non, mais quand il joue sur un côté, il doit bien travailler avec son arrière gauche pour bien défendre et bien être bon dans son registre offensif, voilà, que ce soit de pouvoir déborder, de mettre des bons ballons, de toucher les attaquants, marquer des buts. Parce qu'il faut que, quand on est joueur offensif, il faut être efficace, il faut avoir les bonnes stats dans les centres, dans les passes. Voilà. Il faut faire marquer et marquer des buts. Hein. Il est en capacité de le faire. C'est un bon gardien, c'est un jeune gardien qui a été formé à Paris. Voilà, et oui, il prend beaucoup de place dans le but. Et après, il a pris des buts aussi. Hein. Depuis le début de saison. Oui, ils ont eu des occasions aussi, offensivement, eux. Clairement, ils auraient pu marquer aussi. Ils ont eu des belles occasions aussi. Après, ils ont bien défendu collectivement, ils ont laissé peu d'espace. Et après, le gardien, il a fait des arrêts. Il a fait des gros arrêts. Ouais. Bon, ça dépend, on ne sait pas comment il joue. Il joue un triangle offensif, des fois, il joue à deux. Ouais, mais. Oui. C'est plus Cham qui joue derrière. Qui joue derrière lui. Ouais, je m'excuse si j'ai mal prononcé son nom, mais oui, il tourne autour de lui, il décroche beaucoup, c'est un joueur qui aime bien éliminer, c'est un bon joueur. Mais son absence, il faut que le joueur qui va le remplacer, ben, qu'il joue dans son registre et qu'il soit bon. Il y a un petit Fayad qui peut jouer là, et puis on a Leroy. Tu verras dimanche qui c'est qui joue. Ben Nordin aussi, s'il est dans le groupe, il est incapable de jouer. Mais après ils ont des. Il y a certains, ils ont des autonomies de jeu plus courtes que d'autres.